Eh BG, je te laisse 3 secondes pour liker et t'abonner à ma chaîne YouTube. La famille, cette vidéo c'est une vidéo de malade. On va utiliser le skin mystique pour tuer des ombres sur Fortnite. Et avec l'emote métamorphe, on va prendre leur apparence sans vraiment être des ombres en fait. La famille, je voudrais vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez en ce moment. Merci vraiment, mais il y a un truc que j'ai vu. Oh les gars, c'est quoi ça? Vous êtes 73% à pas être abonné à la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous en activant les notifs et likez la vidéo. C'est parti. On va voir dans cette vidéo ce que ça va faire quand on va utiliser l'emote métamorphe après avoir éliminé une ombre sur Fortnite. Allez, c'est parti. SM la famille, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo parce qu'aujourd'hui le Fortnite Mare est arrivé. Là vous voyez, il y a un truc qui a changé. Non, pas la Renegade Raider, juste derrière. Les ruines sont là et dedans il y a le nouveau boss Midas. Vous voyez, là on est juste devant. Là on voit rien parce qu'il y a la brume, mais si je m'avance un peu, comme vous pouvez le voir, il y a des acolytes fantômes. Ils sont pas comme les autres acolytes, ils sont bizarres. Mais en plus de ces acolytes, dans l'autorité, il y a Midas. Oui, Midas est de retour, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu un Midas fantôme. Et oui, maintenant, Midas est une ombre. Les acolytes sont devenus des ombres. Et même maintenant, quand tu meurs, tu deviens une ombre. Je vais me faire tuer. Là, je suis en train de monter, je deviens une ombre. Et la question c'est, est-ce qu'en utilisant le pouvoir métamorphe, je vais pouvoir prendre l'apparence d'un fantôme? Vous pouvez le voir, ça marche quand je tue un acolyte. En tuant Midas, ça marche aussi. Ok, et quand je suis un joueur, comme vous pouvez le voir, ça marche aussi. On va voir dans cette vidéo ce que ça va faire quand on va utiliser l'emote métamorphe après avoir éliminé une ombre sur Fortnite. Allez, c'est parti. Faut que je vole le skin des ombres. Et juste en dessous, il y a un compteur qui s'affiche avec toutes les ombres que j'aurais volées. Tu vois ou pas? Il y a Crate qui va m'aider. Il joue pas mal au jeu, etc. Il est bon au jeu. Et moi, je suis pas bon au jeu. Ok, nice, toi t'es au sol. Là normalement les gars, vous avez vu, j'ai tué un joueur, il va revenir en ombre. Ok, il y a une ombre. Il y a une ombre gros. Ah, les gars, est-ce que ça marche? Ok les gars, première ombre volée les frérots. Allez hop, il y en a d'autres à mon avis, il y en a d'autres à mon avis, il y en a d'autres. Allez, reviens en ombre toi, c'est parti. A l'aide. Il y a une ombre. Ok, nice, j'en ai tué une. Let's go! Je tue deux gros! Allez, y'en a trop! Voilà, y'en a trop gros! Ils sont deux sur ma POV là! Je te cache pas, ils vont péter un plomb! Non, je suis mort! Non, c'est pas grave, vous relance! Mais là, c'était incroyable, gros! Mais c'était incroyable, gros! Au sol, gros! Y'a une ombre ici! Ma première ombre! Nice! La première ombre, c'est parti, les frérots, on va prendre son apparence! Métamorphose! Je prends l'apparence de l'ombre! Ok, c'était quoi? Oh, c'était un skin Julie! Oh, c'était un skin Julie! Ah, y'a une ombre! Y'a une ombre! Nice, je l'ai! Je me métamorphose, let's go! C'était quoi? Oh! C'était le skin Vénard! C'était le skin Vénard! Je sais pas combien d'ombres on est, je crois on est à deux ombres les frérots. On est à trois. Ouais, mais une ombre volée, pas une ombre tuée, tu vois ou pas? Faut qu'à chaque fois que je les valide, faut que je prenne le temps de le faire. Là, y'a un mec ici là. Là-bas, 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 là-bas! Nice! Je l'ai touché! Ok, nice! Let's go! Let's go! Ok, nice! Il remonte, il monte, il monte, ça veut dire il va revenir en ombre! Il est là! Je l'ai fait passer. Ok, nice. Let's go. Let's go, gros, t'es le boss. Là, y'a encore quelqu'un. Ok, nice. Oh, oh là 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 là, il m'a fait péter, gros. Il m'a fait péter. Ça, c'est une ombre qui va revenir, les frérots. C'est une ombre qui va revenir. Let's go se préparer, let's go se remettre bien. Il danse. Et danse. Non. Attends, attends. Et redanse. Let's go. Let's go. Let's go, gros, t'es le boss. Non, 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 mais gros, c'est même plus on tue les ombres et on vole leur skin. C'est là, on tue les ombres et on les fait danser, zin. C'était quel skin? Oh, c'était le Docteur Fatalis. C'était Docteur Fatalis en version ombre. What the fuck? Ah, sur moi, ça arrive. Encore, ça revient. Ok, nice, faut le tuer, faut le tuer. Nice, j'en ai tué un. Encore un Fatalis, gros, encore un Fatalis. Et il y a un autre skin, c'est un skin mystique. Nice, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ils vont revenir, frérot. Nice, ils sont là, ils sont là, let's go. Les gars, juste en dessous, vous voyez le compteur d'ombre. Oh là 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 là. Non, il y en a juste une. Nice, 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 nice. Je prends mon balai, je m'en achète. Il y en a encore une ici, il y en a encore une ici, gros. Ah ouais, là. Ici, ici, ici. Vas-y, tu l'as. Non. Non, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hop, on se boxe. Ouah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, gros. Attends, attends, deux secondes, vite. Je me métamorphose. Je vole un skin. Non les gars, y'en a plein que j'ai pas pu voler, gros. Y'en a plein que j'ai pas pu voler, les frérots. Gros, j'ai trop le seum, j'ai tué des ombres. J'ai tué des ombres et j'ai pas volé leur skin. Tellement, des fois ça va trop vite, c'est que j'ai vraiment pas le temps de prendre leur skin, tu vois ou pas. Ok, 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 non.
Ok, let's go. Let's go les gars, celui-ci je le valide. Nice. Non, il y en a encore un. Faut que je le valide, je m'en vais. Je m'en... Non, gros. Non, je fallait que je le valide. Wesh. Bon la famille, comme vous avez pu voir, ben on n'a pas fait top 1, mais au moins on a réussi à voler les skins des ombres sur Fortnite. C'était la première question que je me posais, mais il y en a une autre qui est, je trouve, encore plus intéressante. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait quand j'utilise une emote en étant une ombre. Alors oui, ça marche, on peut utiliser des emotes quand on est une ombre. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'utilise Mystique et que je fais son emote. Qu'est-ce que je vais prendre comme apparence quand je vais utiliser Métamorph avec le skin Mystique. Avec cette emote, on prend l'apparence du skin qu'on vient de tuer. Donc est-ce que je vais devenir une ombre qui va devenir un skin Fortnite? Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai bien envie de tester. Parce que oui la famille, comme vous le voyez sur cette vidéo, 10 glitches Fortnite en une vidéo. On peut voir que les 10 glitches, c'est des bugs liés aux ombres sur Fortnite. Par exemple, ce glitch d'être invisible en étant une ombre, ça marche avec l'emote Iron Man. Il y en a un autre avec l'emote de Wolverine qui permet d'avoir les griffes de Wolverine. Vous voyez qu'il y a plein de glitches quand on utilise des emotes en étant une ombre sur Fortnite. Du coup t'es fou, je me suis dit qu'est-ce que ça va faire quand je vais utiliser l'emote de Mystique en étant une ombre. Sur ce c'est parti la famille, on va lancer une game, let's go. Et la famille c'est parti, on est de retour, il nous reste un truc à voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là on va tout simplement devenir une ombre et on va faire l'emote de Mystique après avoir tué un joueur pour voir si on peut prendre son apparence. Ouais, si on peut être une ombre avec l'apparence d'un skin Fortnite. Du coup c'est parti. En attendant, j'ai quand même pas envie de mourir trop vite. Donc ben, on va quand même essayer de se défendre à un minimum, t'as capté. Oh là, il est fou lui, t'es malade ou quoi toi? Allez hop, tu dégages. Et c'est comme je vous dis la famille, il y a énormément de bugs depuis la mise à jour. Du coup bah c'est vraiment possible qu'il se passe un truc qu'Epic Games n'a pas prévu. Et ben c'est ce qu'on va voir, tu vois vraiment. Mais il y a quelqu'un dans les tuyaux là. Oh là 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 là, mais c'est... Oh mais le flick shot. Allez hop. Non, je l'avais tué. Non. Non, du coup on devient une ombre et c'est parti, on va voir ce que ça fait. Allez. Ah, en vrai j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Là je suis une ombre. On replonge directement et on va essayer d'aller tuer ben, le dernier joueur. Mais juste avant, je vais m'éloigner un petit peu parce que j'ai envie de tester un truc. Qu'est-ce que ça fait quand j'utilise l'emote métamorphe et que j'ai pas encore tué de joueur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça fait rien. Bon après c'est un peu normal parce que du coup j'ai pas tué de joueur. Mais maintenant on va voir ce que ça fait quand je vais tuer un joueur. Let's go. Alors où est-ce qu'il y en a? Il y en a un ici. J'arrive. Je peux arriver à voir où est-ce qu'il est. Allez hop. Toi tu dégages. C'est bon. Allez hop. Maintenant regarde. Au cas où il y a un joueur qui arrive, je vais récupérer quelques HP. Hop. Allez miam miam miam. Je mange le stuff. Je récupère des HP. Ça je mange. Ça je mange. Et ça je mange. Maintenant du coup la famille, on va faire l'emote métamorphe et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça fait rien. Ça fait rien. Comment ça, ça fait rien? Non. Ça fait 3 heures que j'essaye de faire ça. 3 heures. À chaque fois, je me faisais tuer. Et en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Pour la peine, la famille, je vais faire un massacre. Ah, mais déjà, il y a Midas ici, genre. Allez hop, Midas, je vais t'arracher. Je regarde. Allez hop, ça dégage. Les gars, vous imaginez vraiment pas comment j'ai le seum, vraiment. La famille, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous en activant les notifs. Et oubliez pas le code CréateurNa, ça me ferait plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous allez essayer de votre côté. Toute la force que vous me donnez, ça me fait énormément plaisir. Je vous kiffe, prenez soin de vous. Ciao la famille.